À l'ouest, c'est The Lord of Samurai avec Yoni. Salut. Voilà, on se retrouve tous les deux pour un petit épisode bonus spécial minage, puisque les premiers épisodes, je n'avais pas miné, et j'ai trouvé ça intéressant, et vous aussi, de faire une petite séance minage. Malheureusement, il n'y a que du goût. Tu m'appelles Hugo, rien pas de problème. Yoni Hugo, ouais, bon, t'es casse-pied, toi, ton pseudo. Enfin, bref, j'ai pris Yoni avec moi, histoire de ne pas être tout seul à miner. J'ai dû me tenir, y a plus de courage. Et donc, bah, on va commencer tout de suite. On va se faire un bel. On doit aller jusqu'où, en fait, pour. Couche 11, on va dire. Bien. Mais écoute, ce qu'on fait, c'est que moi j'avance en bas. Et Ouais. toi, tu tailles au-dessus. Du coup là, t'as commencé deux blocs au-dessus, du coup ça va être une très grande mine, tu sais. Ça, c'est pas grave. Pour la vidéo, je mets des torches. J'ai mon. C'est ta J'ai mon couronne, ouais, t'as casque. raison. J'ai mon Ouais, mais casque. j'en mets quand même aussi pour quand on descend. Même tu sais que YouTube rentrait sans volant avec ton casque. Pour ce qui est de la zone autour de moi, ouais, c'est nickel. Mais comme je l'ai dit, pour la zone extérieure. C'est un peu plus chaud. Ah, on commence à avoir du fer. Donc j'ai des pauvres petits outils. Pour l'instant, parce que je vais les user. Je vais les user. Sans aucune vergogne. Du coup, je laisse venir me récupérer. Ouais, je crois que ça sera Serge. Donc, ça. Du coup, me laisse pas passer parler tout seul non plus. Oui, non Ah, parce qu'il y a d'autres épisodes, c'est ça. Faut meubler, faut meubler, qu'est-ce que je dois dire? Donc, quelle couche tu m'as dit? Oh, ça. mais... Là, on est On est couche encore à 60. 57, quoi. 56, maintenant. Je me demande si j'ai la même couche ici ou pas. 56, 58. Parce que je me rappelais que... Regarde les trucs des maps, j'avais pas la bonne couche. J'avais pas la bonne couche, c'était toujours une couche plus haut ou plus bas, je crois, je sais plus. Petit F3, hein. Une couche plus. Bah ouais, bah c'est ça justement. En regardant avec F3, je me dis, bah tiens, il marque toute la couche 53 alors que mon radar me met la couche 52. Ah non, c'était le contraire. Ouais, parce que ton radar doit sûrement repérer Mais la tête. il mettait. Ouais, c'est ça, à la hauteur de la tête. Bon, oula. Petit bug de. Zone brunette. Mais t'as avec une pioche en jump comme t'es là-bas. Ouais, encore une que j'ai trouvée dans les coffres. J'ai plus vite que toi avec ma pioche en vert. Bonjour, Et frère. c'est quoi sur ta pioche là? L'effet de sursis de. Moi j'ai une F4. Ah, mais les gens ici ils sont arrivés, ils sont enchantés des trucs 30 et puis ils les ont gardés pour eux. Ah, j'aurais dû regarder dans les coffres 2, 3, pour piquer une à quelqu'un. mais... Moi Ouais, j'avais pas oublié ça, c'est peut-être. le seul truc que j'ai craft moi c'était une armure fer au tout début. Ouais, mais ça, tu vois, c'est. Et puis après t'as ceux qui se sont fait des épées. On sait pourquoi. Moi j'ai encore trouvé une épée. Mais ça c'était quand on s'était joué RP. Clem m'avait j'avais une épée diams, je suis enchante. Ah, Je suis à la même vitesse avec une pioche diams qu'avec une fer FI2. c'est ça. Moi t'es comme ça. Ouais, j'avais jamais fait la différence. Alors, boire un coup et miner en même temps, c'est un peu difficile. Quelle couche? 35, 34. Oh, je veux 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4. Hop, j'hésite pas à mettre des blocs de cobble par endroit où il y a des ressources. Et tout le charbon, mais. Oh, j'en ai pas pris. Ouais, bah ouais, comme ça c'est pas. Enfin, quoique. Pas forcément obligé de. Mais ça dépend aussi, quand c'est bien fait, j'aime bien laisser un petit peu naturel. C'est ce qu'on va essayer de faire, parce qu'on va quand même faire des Rajouter minages, des comme je minerais dis. sur les côtés? Non, mais laisser des trous, là, ce qu'on a gardé. Pas forcément boucher. Ah, Enfin, je bon, vais honnêtement, boucher, quand je fais mais des de petits, petit. je bouche mes mines avec de la cobble. Et je sais que c'est là où je suis passé. Mais je ne bouche pas tous les trous, ici, bon, c'est. Et si de toute façon on creuse le trou, on fait notre petite base nette En dessous, et puis on y va. en bas, et puis on pourra y aller tranquillement. Les gens vont faire chier pendant une heure C'est pour ça qu'il faut à mater qu'on du change de sujet. grattage. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle de tuer n'importe quoi. Et oui, c'est la dure vie de youtubeur. Mais ça, moi, c'est quelque chose que je supporte pas. J'aime pas causer pour ne rien dire. C'est ce qu'il faut que tu Et fasses, boucher vidéo, toi. c'est juste trop compliqué, quoi. Enfin, j'arrive à me débrouiller, c'est pas ça. Bah. Ah, c'est bien, le jump ne suce pas, quoi. Depuis tout à l'heure, il J'essaye suce. de pas prendre tout le fer non plus. Mais si, ramasse tout ce qu'on trouve. Ouais, mais je veux dire, quand il n'y a qu'un seul minerai sur un côté et que c'est chiant à aller le chercher. Bah, tu vas chercher quand même. Là, il y en avait deux. On en a besoin.
Parce que c'est bon, on a quasiment plus de fer. Et faut penser que bah, les armures, bah, c'est pas fini non plus. Mais j'ai toujours la même armure depuis le tout début. 1, 2, 3. La couche 11. Il était temps. Tu veux que je fasse les escaliers? On récupère maintenant, comme ça c'est pas faire. Ah, du lapis, cool. Non, attends, je te laisse récupérer. Ah merde, on a pas de... Fortune. On a pas de fortune, c'est vrai. D'accord. Bah, à la limite, Il y a eu 38 de lapis. Quand on trouve un beau minerai comme ça, dont on a vraiment, bah, notamment le lapis... Je fais les escaliers maintenant, ça m'ouvre. Hein. On peut laisser... Du coup, on avait dit qu'on faisait les escaliers sur le côté et les rails au milieu. Ouais, ou la rail au milieu. Bah, tant que tu mets au moins une paire d'escalettes, ça ira très bien. Je vais créer un petit abri de fortune. Et merde. Non, mais les rails au milieu, on n'aura qu'un seul truc d'escalier, mais c'est pas aussi grave. Sachant que les rails au milieu, faudra les surélever de 1. Ouais, non, tu vois, il vaut mieux avoir un escalier de 2. Oula, oula, j'ai vu des... J'ai vu des particules bizarres, Moïse. Ah bon? Ouais. Passé. Bah, on aurait dit des particules d'Enderman. Mais pas forcément de quoi du ça, donc ça m'a. Non, ça doit être un bug. Ça m'a un peu perplexe quand même. Ça doit être un bug visuel. Voilà, donc hop. Par contre, poser des escaliers, c'est chiant, mais c'est chiant. Parce que du coup, tu montes en même temps. Et du coup, moi, je vais faire un petit peu plus de torches, parce que ça me rend bien. Je peux laisser le dernier toit ici. Merde, on aurait dû faire un coffre depuis le spring. Rien que pour la cobble. Mais j'y ai pas pensé. Et puis si on a des rails, on sait faire, c'est aussi faire une deuxième voie de rail. Où là-haut, t'as un chest et en fait, t'as un minecart hooper qui vient déposer le stuff d'en bas en haut. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est bon. Ouais, je vois. Et du coup, on appelle le minecart. Quand le minecart est là, on le... On fait le système donc. Là, c'est bon, on a notre lotte. Et alors, j'en ferai sûrement une. De l'autre côté aussi. Et ici, il y aura quoi? On va mettre deux fois la même chose. Bah, non, ce qui serait bien, c'est d'avoir des coffres d'un côté. Et le reste de l'autre. On verra ça. 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, moi, je vais continuer. Et les 8 blocs, on met une torche. On va Attends, on va calculer. Oula, j'ai... Ouais, ma doge qui sait, c'est rien du coup. Donc 1, 2, 3, 4... on fait une mine optique tous les deux, hein, comme... Ouais, mais justement, tu l'as fait comment, toi, d'habitude? Tous les deux, parce que si tu trouves un minerai, tu le trouveras forcément sur l'autre face, tu vois. Ok, donc ce qu'on va faire... Ouais, j'ai fini ici. Regarde, j'ai déjà fait des presets. C'est cool. Et puis ce serait cool d'avoir une table de craft... hyper, tu vois. Parce qu'à ce moment-là... Pourquoi tu veux mettre des tables de craft? Ou mettre des tables de craft au milieu, tu sais, parce que question de pas faire à chaque fois aller-retour. Alors tu le mets là. Bah, avoir une table de craft, c'est ça, oui. Mais du coup, les torches, tu les mets au-dessus des passages. Parce que là, en plein milieu, là, c'est un peu google. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est quand on a de la cobble, c'est de boucher. Donc, pas le bloc devant, mais le bloc juste après. Histoire de voir qu'on a bien été jusque dedans. Moi, je vais continuer la grande galerie. Un truc comme ça, t'es sûr que ça rendrait pas bien? Non, ça c'est plus. Non, c'est stupide. C'est stupide parce que quand on veut récupérer quelque chose, il faut aller jusqu'à là. Mais non, mettre une table de craft une fois de temps en temps. Ouais, ça pourquoi pas. Au pire, à la limite. Bon, moi je commence à faire. Okay. Moi je vais faire. Récolte tout, hein, même le charbon. Oh ouais, tu grattes tout. Bah, surtout le charbon, on va en avoir. Maintenant qu'il y a besoin. Là pour l'instant, je fais tout en torche, hein, le charbon. Ok, me réparer ma pelle en passant tout sur du gravier. Pas de stone. Si on a du diamant, je laisse. Attends ouais. D'avoir une fortune. Ouais. Ouais, parce que le diamant, la dernière fois, ils allaient ramener un petit peu plus que le stack, mais du coup, bah, tellement là. Il est un petit peu avec. Ah, les gens se sont permis de faire du stuff qui était pas utile. Genre une armure en diamant, ça sert à rien. Ah, je le sais pas bien. Ou une épée en diamant sur PS4 aussi. On est là pour builder. Ah, bah, je suis sur une paille. Enfin, sur une grotte, je vais visiter. Ah, je t'ai vu. Je te vois. Coucou. Salut. Ah, tu tiens ça. Je le récolte ou je laisse? Non, non, laisse-le. Bah, on essaiera de d'avoir une pickaxe. Une pickaxe. Ouais, une pickaxe.
Regarde combien il y en a. Ah, il y en a pas qu'un peu en plus, hein. Sécurise le machin et faudra qu'on mette une marque. J'ai mis des torches tout autour, hein. Bon, heureusement que j'ai ma couronne là. Ouais. Je devrais pas faire ce que je suis en train de faire. Mais... Enfin, une sous tes pieds. Non, non, mais je suis en train d'explorer la grotte là, bah, tu vas tomber dessus. Dans un angle petit, donc je vais laisser ça pour le petit en fait. Je vais laisser ça pour le petit parce que sinon on va. Bah, ça m'arrange pas de pas avoir de fortune parce que je sais pas oublier le diamant. Mais tu utilises une map toi ou pas? Une map? Non, j'y vais à la. Non, sur la winning. Sinon t'aurais marqué les coordonnées. Bah tu peux. Oh bah encore du diams. Et j'en mets derrière un flanc de charbon. Donc bah voilà, le truc ils vont pas mieux de la grotte. Bon, encore du diams. Là tu peux pas là tu peux pas passer à côté du diamant. Non mais on va pas attendre à chaque fois d'avoir une fortune. Bah si, il vaut mieux parce que sinon on va devoir faire des séances de minage comme ça tous les 3 épisodes comme ça. Comme si on a commencé justement à voir... Je remonte voir c'est quoi mon prochain enchant sur un bouquin. Allez vas-y, un petit peu d'or. C'est la blinde d'or. Je suis passé tout seul. Non, les bouquins c'est une mauvaise idée, il me faudrait une fortune. J'ai pas envie de prendre le risque de recrafter une pioche en diams. Bah on s'est ajouté le breaking, non? C'est quoi, je vais crafter une pioche en diams. Question de voir, ça va être quoi mon prochain enchant dessus, on va la faire tourner jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui a une fortune. Donc voilà, j'enchante. Oh putain, fortune 2. Sérieux? Ouais. T'aurais pas pu faire un fortune 3, non? Ça, je l'engueule alors qu'il vient de faire une fortune, con. Oh punaise, bien bien. Je t'avais dit de ne pas gratter le jam, ça. Tu les as pas grattés? Non, je les ai pas grattés. Bon, je combine ma pioche avec l'autre. J'ai failli faire une casquette, Jack. Unbreak 3 et Fika de fortune 2. Bah, nickel. Oh. Ça tombe bien, ça tombe vraiment bien. En plein milieu du. Tu sais combien il y a un saut avec de l'eau? Au pire, il y a deux sauts de lave. Bon, ouais, tu ramènes un saut, mais il faut de l'eau dedans. Ouais. Mais sinon, il y a deux sauts de lave que tu peux. Enfin, tu peux vider la lave. Non. Bah, tu sais quoi, je vais faire cure. C'est la lave qu'on avait dans. Ah, comment ça s'appelle ce truc, non? La forge. On a tué pas. Ouais. Parce que je t'avais dit de ne pas le faire parce qu'il y avait des. On n'avait pas fini le toit, etc. Et au final, bon, on la remettra. Mais. Vous avez oublié. Je me crafte. Enfin, je me crafte le saut, ouais. Je veux bien te cuire. Bon, ça pouvait pas tomber plus à pic là. Bah, ouais. Ouais, parce qu'on a déjà. On a combien de pioches à notre actif? 5 ou 6? On a déjà 5 ou 6. Ah, t'as oublié du charbon. Mais un endroit, ouais, c'est possible. En fait, quand tu repars dans ton tunnel, faut regarder en haut. Faut pas regarder en haut. Bah, je fais jamais gaffe. Ouais, non, mais j'ai ça tout le temps. Et comme j'oublie de regarder en haut, fatalement, j'oublie bien des trucs. Mais parfois, c'est du jams. Tu vois, donc c'est un peu. Bah, le jams, c'est pétant, quoi, tu le vois. Quand tu regardes devant toi et que c'est juste le bloc au-dessus de toi, tu le vois pas du tout. Tu passes à côté. Enfin, à côté, non. Tain, on va faire le pseudo. Ah, bah non, on a réussi à avoir la fortune, je suis con. Ah, tiens. Donc, allez, récoltons le diamant. Alors du coup, tout ce qui est lapis, c'est le diamant. Etc. Hop, t'en sais pas qu'on peut récolter, c'est le lapis et le diamant. L'eau, on sait pas. La restone, ça ne sert à rien, donc... Mais par contre, j'ai que ma pioche fortune, je les ai combinées, comme un con. Merde. Voilà, je trouve... Bah, file-moi ton effi, ta vieille fille 2. On met une braquette en diamant. Je vais aller chercher, ouais, vas-y, continue. Pas très grave, j'ai pas besoin d'une casse minage, je trouve. Ah, puis je suis content de... Parce que franchement, j'avais peur qu'on oublie de... Où était le James. Pareil, hein. Du coup, on va l'avoir. Alors, je sais pas qui pique les trucs. Bon, comme ça te sert à rien... Ah, voilà, je te regarde. Comme ça te sert à rien, je te l'utilise. J'ai 24 diams. J'ai pris la pioche de quelqu'un que je ne sais pas. Mais bon, comme lui il est PVP et qu'il vient pas le même dans ton. Chut, fallait pas le dire. C'est pour la bonne cause. Bah, mais pour les villages. Je trouve ça dommage qu'ils veulent pas faire de maison, quoi. Bah, ouais, c'est un habitant, quoi. C'est
Non, c'est pas question que ça se build ou pas, enfin, je sais pas. Si on est là, c'est pas pour l'aventure, c'est pas pour... C'est pour faire un village. Ouais. Si tu vois de l'andésite, pense à la récupérer. Parce que c'est avec ça qu'on fait des routes, et la dernière fois, on était tombé un peu à quoi. Par contre, tu as trouvé l'andésite. Non, parce que j'en ai ici, Mais voilà. Ah, mais c'est pas vrai. Il va falloir que je fasse un entraînement au jump. Non, c'est qu'ils garderont le... T'es pas forcé de t'entraîner tout. Ouais, non, mais quand pendant une heure tu t'amuses à sauter sur les trois mêmes blocs, excuse-moi. Mais... c'est qui commence à faire la J'ai failli miner mon diable, c'est qu'on peut faire mal. Hop, hop, hop. Ah non, cette pioche-là. On a bah, elle a une break, t'inquiète pas. Utiliser la moins possible, je veux dire. Parce que, donc, pour rien, c'est 30 diables. J'avais une. Je sais plus si elle était ici ou pas. Mais elle était une breaking 2, il me semble, ouais. Et je ne l'utilisais que pour gratter les blocs spéciaux. Donc ouais. Tout ce qui n'est pas de la stone. Et au bout de ma séance de minage, j'ai la claque. Bon, bien sûr, j'ai ramené la blinde, mais bon, en attendant, j'avais quand même pété quoi. Et j'ai même pas vu, j'ai dit une brique, que je gratte que trois trucs. À un moment donné, ça fait clic. Alors, je viens de trouver un lac de lave en mignon en filon, je vais quand même reboucher au cas où les gens, au cas où les gens tombent là-dedans. Mais tu veux pas un seau d'eau? Non, donc il était fermé. Et. Parce que... Je pouvais pas visiter, fallait casser des blocs. Ah ouais, non. Bon, tiens une grotte. Hop. Un lac de lave. Tout top. Non, mais c'est normal, pas mal. Punaise, mais y'a la blinde dans 18, c'est sérieux. Putain, mec, la grotte est juste énorme. J'aurais du mal à la retrouver. Tant que tu ne te perds pas. Le principal. Ah, j'aurais du mal à retrouver, mais pas. Mais t'utilises l'astuce des torches? J'en ai. Mais j'ai un bon sens de rotation à la base. C'est bonjour pour commencer. Mec, j'ai un bon sens de rotation à la base, donc je me suis jamais perdu. Ouais, moi aussi, mais une fois gratté, quand les grottes commencent à se ressembler. Voilà quoi. Tu finis quand même par te paumer. Là, je viens de retrouver ma minopsie, tu vois. Et je me souviens qu'il y a un lac de lave. Je les mets soit à gauche, soit à droite. Pour la plupart du temps, c'est à gauche. Du lapis. Ah oui, par contre, la grotte est juste énorme. Mais... Et du lapis, parce que parfois, tu as des blocs, il y a des trous dedans, etc. Enfin, c'est. C'est une horreur pour s'y retrouver, donc. Ça fait du bien d'utiliser la technique. Et donc, si, je vois pas mal de vidéos sur Harry Potter. Ah bon? Ouais. Culturel, je veux dire. Bon, enfin, c'est pareil, quoi. Il y a eu le petit fils, il y a eu. Enfin, je sais des noms, mais. Après, c'est sûrement dû à l'exposition qui s'est passée il y a longtemps, qui était d'ailleurs assez sympa, mais. Une expo? Ouais. Sur Potter, c'est vrai? Ouais, bah à Paris. Ah bon? Je crois que tu savais qu'il y avait une expo à Londres. Non, pas du tout. Bah, à Londres, en fait, ils font les backstage du. T'as vu, tu peux visiter les studios. Bah oui, attends, c'est fini, il y a la blinde. Est-ce que. Ouais. Elle a pas gagné assez de sous là, c'est bon, hein? Bah, elle est devenue milliardaire en fait. Ah bah attends, rien pour ses bouquins déjà, t'es une fois milliardaire. Pour les filles, t'es une seconde fois milliardaire. Maintenant, il faut qu'elle fasse une fois près de troisième fois milliardaire. Et non, mais c'est bon. Ouais, ouais. Ça a été très sympa. Un petit peu aux autres. Hein. L'expo était très sympa, bien que ceux devant moi, ils ont claqué plus de 200 euros quoi. L'expo. Et juste. Ils avaient juste une baguette et un paquet de Bertie Crochu. Vas-y, c'était. Oh putain, la loose quoi. T'as vu que t'as une thune juste pour ça, franchement. Je voulais pas claquer de l'argent, mais par curiosité, j'ai demandé à. Bah, je me suis pris un paquet de Bertie Crochu et un truc de Serpentard, parce que c'est mes préférés. Ah ouais, t'es un méchant, toi, ok, d'accord. C'est qui est le plus riche, hein, hein? On est riche que de ses amis, donc c'est Potter, voilà. Donc. C'est pas Ron, en tout cas. Non, on fera aucune allusion à une couleur de cheveux. Ils n'ont pas d'âme. La moins chère, elle a demandé la baguette de personne parce qu'à mon avis, ça devait se vendre genre, je passe 100 euros la baguette d'Harry, l'autre celle de Ron. Ouais, c'est vrai que c'est juste un morceau de torchon. Tu le fais toi-même, t'as plus de dignité. C'est ça quoi. On a demandé la moins chère, c'était 25 euros. No shit, c'est un bout de bois. 25 euros, je veux dire, c'est pas comme si tu rentrais chez toi et tu voulais faire Expelliarmus, hein, non? Ouais, à la limite, ça aurait été vrai ou ça aurait été une vraie corde de licorne, je sais pas. C'était une vraie corde de licorne, mais je te jure, je peux faire Expelliarmus, je m'achète, hein. Là tout de suite. Non, moi ça serait pour Allo Mora. Pour les portes. Je jure que mon intention est mauvaise. Quoi que c'est ça la phrase. Ouais, quand. Mais... Ah. Oh, ce bouquin il est juste épique. Ouais, moi j'aimerais bien la carte justement. Ouais. La carte du. Je sais plus comment il l'appelle. La carte. Une carte. Ah, hey, la chaîne de route est juste énorme. Ça va être impossible de m'y retrouver même avec ta technique. Et j'ai 42 diamants. Mais t'es sûr que c'est une fortune de... Ouais, c'est qu'une fortune de... Après, j'ai eu trois filons, un truc comme ça. Par contre, je vais redescendre, parce qu'en plus d'être inutile de me perdre... Utilise vraiment la technique des torches. Hein. Ça a l'air con comme ça, mais même si t'as un bon sens de l'orientation, t'es très 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 vite perdu. Bah là, je sais pas pour retourner, mais c'est... C'est
le premier truc que j'avais filmé comme ça, qui n'existe plus sur ma chaîne d'ailleurs, je m'étais paumé comme ça aussi. Il m'a fallu une demi-heure pour me retrouver. C'est comme ça que depuis, je te dis, cette fameuse technique de la torche. Ben, je la connais en fait grâce à Binoulette, à l'époque où elle faisait encore des vidéos. Ah, ça fait longtemps qu'elle. Mais c'était un jour, ils avaient fait un mini-event où ils visitaient le truc de Under Dragon et c'est ça. Dans le truc de Under Dragon, voilà. Enfin, le. Peut-être pas un mini-event, je sais plus, mais je sais que. Non, moi, c'était Bob. Je la connaissais déjà, tu vas me dire, mais c'est là où j'ai eu l'idée de. Après, moi, j'ai jamais trop regardé. Enfin, pas longtemps, je regardais 2974, mais. Bah, avant que je n'achète le jeu, ouais, je regardais. Puis après, bah, je me dis, bah, c'est quand même plus intéressant de vivre soi-même cette aventure que de vivre par procuration. Donc, hein. Bah, c'est pour ça que généralement je regarde des let's play sur des jeux que je voudrais faire mais que j'ai pas spécialement l'intention d'acheter. Au moins tu vois le faire et puis. Ouais, bah oui. Bah, y a des jeux honnêtement que j'aime pas jouer. Et ça m'a fait plaisir qu'il y ait des youtubeurs qui fassent des let's play dessus parce que du coup ça m'a permis de découvrir le jeu, découvrir l'histoire et aussi le gameplay d'ailleurs. Sans pour autant devoir me faire chier. Ou tout simplement pour te débloquer dans ce que tu as découvert. Enfin, c'est le truc sur Life is Strange par exemple. J'ai mal réussi un truc, j'ai préféré m'en mettre une vidéo parce que je ne voulais absolument pas mal réussir ça. Je te le dis, je. Bah, moi, j'ai fait. Enfin, j'ai fait que le premier encore. Mais le troisième, c'était what the fuck la fin. J'étais très déçu d'ailleurs. Bah, moi, j'étais très déçu. Depuis le premier, tu sens qu'il y a des trucs qui se passent. Ouais, on sent que c'est what the fuck, c'est sûr. Ah, ouais, bah, déjà avec le truc de la tornade, machin, tout ça. Je dis, bon, là, je spoil rien. C'est le. Bah, c'est ta première scène. Hein. C'est la toute première scène, ouais, tu te réveilles là-dedans. Voilà, bah, déjà, tu sens que c'est quelque chose d'énorme, quoi. C'est ça, tu sens que ça va être gros, mais ça a été carrément. Je sais pas, je suis très déçue de ça parce qu'on gère la vie et en fait, à la base, on est d'accord que c'est du fantaisiste, hein, mais je sais pas comment ils ont pris la tournure des choses, c'est devenu magique, tu vois, c'est pas. C'était mais les creepers! Excuse-moi de t'interrompre, mais les creepers qui m'ont fait. C'était plus la vie normale d'une fille qui a une vie très étrange et qui a des trucs. Non, là, ça va devenir la vie normale de la fée clochette. Ils ont intérêt à très bien tourner. J'ai la fée clochette! Et Alex, il a une théorie que je trouve très judicieuse et j'aimerais bien qu'ils implémentent. Parce que si on continue à être dans le même univers que ça, mais j'arrête de jouer quoi. Très déçu. Ouais, c'est risqué. De toute façon, bon, je doute très bien que tout est lié à cette fameuse star là. Ça. Oui, ça faut passer. Bah, c'est comme. Parler, mais. Ah, ouais, c'est le film Tekken 3. J'arrive, j'ai jamais pas vu de problème. Et je suis chez bon, c'est bon, j'ai terminé d'explorer la grotte et je suis de retour dans ma mine optique. Du coup, je continue où j'étais. C'est ça. Et la première chose que je fais dès que je vois un mec, je fais ah ouais, je te parie, c'est lui le grand méchant d'histoire. Mais des premières minutes de film, et puis t'arrives, et puis. Ah bah oui, tiens, c'est lui. Bon bah, j'ai 50 diamants. Depuis le début, tu te doutais directement que c'était le mec. Que okay, bah, pour te dire, j'en veux en parler, mais je veux pas te spoil de une. Et puis, je sais pas. C'est le genre de truc où ils t'ont tellement hypé, t'en attends tellement du truc. Que pourtant, ils ont pas spécialement fait un gros effort de hype. Et l'épisode t'a tellement plu. Ah, je veux pas être. Attends, j'arrive. Je peux pas être plus déçu que ça, quoi. C'est vraiment. Pourtant, s'ils arrivent à bien tourner ça, mais ce sera juste énorme. Parce que. Ah putain, j'ai pas envie de te spoil en fait. Ah non, t'as pas intérêt à me spoil. Et pour ça. Mais la théorie d'Alex était très très bien tournée et pas très conne. Mais Alex, lui, depuis son classe, voilà, ils font des théories du complot. Hein. Non, c'est pas une théorie du complot, c'est une théorie sur la suite Théo. Non, mais c'est pas marrant, c'est con quoi. Parce que moi, regarde ici, j'ai à peine fini l'épisode 1. Et honnêtement, rien que le résultat de cet épisode 1 m'a spoilé sur la suite. Et ça, moi, ça me. Honnêtement, ça m'embête un peu parce que du coup. Qu'est-ce qui t'a spoilé? En fait, tu as les statistiques. Où ils disent ouais. Ah oui, tu as évité tel machin, pour telle scène, tu as fait ça, à la place de ça, etc. Ça, c'est pour comparer avec tes potes, mais c'était pour. Voilà, donc franchement, c'est une très bonne idée. Le truc, c'est que pour quelqu'un comme moi qui n'a pas du tout envie de se faire spoiler à ce niveau-là. Et ça me fait spoil parce que clairement, je sais que j'ai oublié des trucs. Alors, si tu continues. Attends, je vais venir te chercher. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu vois? Et où t'es? Regarde, tu vas pas me saluer. Donc, attends, j'essaie de te rejoindre, continue. Il faut ouais. Remonter ici. Et oui. Et oui. Là, parce qu'il y a le. Mais t'es parti par où? Où tu vas? Et où? Mais je sais pas, j'ai pas de minimap. Je suis ici. Hé, il y a un slime! Attends, ah! On est sur un chunk of slime, trop cool! Oh punaise, ça c'est la chance de fou quoi! Je me souviens avant qu'il pop dans les biens de marée, comment on galérait pour en avoir. T'as une slime ball? Ouais, j'en ai une. Vas-y. Oui. Conduis-moi vers. Attends, je te conduis parce qu'en fait, j'ai été gratté un truc. Bon, j'ai été gratté dans des vitres et au final j'en ai vraiment une. Merde, ce que je fais. Mais ce que je veux dire, les théories en fait, c'est très intéressant pour développer les jeux où c'est pas dit clairement. Parce que là, Life is Strange en fait, c'est comme c'est épisode par épisode, ce que je trouve assez dommage en fait. Bah, parce que. C'est un choix quoi. Ils nous ont répondu l'épisode tout à coup, ce serait. Y'a rien en dessous? Non.
j'ai gardé exprès. Il nous a répondu l'épisode, tous les épisodes tout d'un coup, je pense que ça aurait été plus soigné et qu'il n'y aurait pas eu tant de personnes qui leur mettraient la pression pour aller plus vite, tu vois. Non, mais non, ils sont déjà sortis comme ils sont là. Ils ont déjà fini, hein. Ils les sortent par épisode pour faire patienter, c'est tout. Et c'est pour pas trop spoiler le jeu non plus. Parce que t'as toujours des gens qui commencent à peine le jeu et qui font spoiler juste sur la fin. Donc, Oui, mais quand ils auront sorti tous les épisodes. Oh là, oui, là, il y aura des spoils. C'est pour ça que je vais pas tarder, etc. Mais vraiment, c'est un jeu à décision, hein, donc il faut. Faut avoir le temps de s'y mettre et être au calme, etc. Et pas être avec quelqu'un qui te dit les choix, par exemple. Oui, surtout. Pas vrai, Alex? Ah, il arrive, on a dit qu'on commençait l'épisode en même temps, voir les choix qu'on ferait. Mais on fait les choix, puis après on se disait voir comment on avait réagi. Et comme j'ai dû me mettre à FK, il a avancé sans moi. Et il commence à me dire il commence à parler, dire tu ferais quoi si ta copine te demandait de faire ça. Je dis non, mais putain, non, d'où tu me dis ça? Mais le truc, c'est que tu changes aussi à certains endroits. Moi, honnêtement, il y a des trucs que j'ai agi en mon âme et confiance, comme je fais habituellement. Et d'office, le machin, c'est vraiment pas bien passé du tout. Je m'attendais pas à la réaction. Et d'office, j'ai dû. Ça fait du bien d'avoir ça. Et de fils, j'ai dû changer mon fils d'épaule, quoi, tu vois, c'est. Ou alors elle fait des réflexions, quoi, tu vois, c'est juste casse-pied. Ah, faut que tu te mettes à la place par contre, une personne qui est elle-même. Les torches, quand tu les poses, tu les mets à droite, s'il te plaît. Que je puisse pas te dire en face. Tu les poses systématiquement sur ta droite quand tu parles. Ouais, mais quoi, c'est dans l'autre sens, je les pose sur ma gauche. Mais soyons clairs, si t'es dans l'autre sens, c'est que tu reviens, donc il y a déjà des torches à droite. Non. Ah bah si. Ah, si, t'as non, je pensais que tu voulais. Par exemple, si on revient pour pouvoir exposer une nouvelle grotte. Donc, ici. Non, mais s'il n'y a pas de torche, tu la poses à droite. Mais de toute façon. Oh, attends, donc, si elles sont à gauche, c'est que tu viens faire ça. Non, il est bientôt. Ça doit faire une trentaine de minutes qu'on filme là. Attends, je vois. Ouais, même un peu plus. Ah, oh, on est dans l'autre grotte. Hop, je rebouche. Du coup, je vais devoir. La pose, hop. Voilà, de retour. Du coup, j'ai vu, on a une bonne quarantaine de minutes là. On fait une petite vingtaine bah. De plus. Bah, on n'est pas forcé de faire une heure, hein, mais 57 diamants, c'est déjà beaucoup. Bah, on va encore faire un petit quart d'heure, puis on pourra retourner à la base, voir un petit peu ce qu'on a. On va faire le topo. Comme ça. Ça n'ira pas de soucis. Bah, c'est vrai que je là, parce que là, j'ai pas trop envie de continuer mes et je suis full stop. Donc, je vais faire un. Déposer ce que j'ai dans les coffres. Bah, moi, à mon avis, ouais, ici, on commence à. Je vais commencer à me paumer. Donc, je vais récolter les derniers trucs, puis on va. On va retourner tranquillement à la base. On espère ne pas quoi? Se perdre. Ah. Moi là je remonte, je vais commencer à crafter les rails. Non, surtout pas. Quoi? Surtout pas, toi, pour fou. Ah, si on trouve un truc. Un mineshaft? Un mineshaft, on les prend directement là. Ça. Parce qu'ici, ça va nous coûter la blinde. Alors, au début, j'avais pensé à utiliser un bug qui permettait de décuper les rails, je me suis dit, mais non, c'est pas franco. Ouais, non. Ça, c'est pas. C'est pas vraiment permis chez nous. Donc ouais, là, comme je dis, je suis face à un trou, toi t'as... J'ai pas mon... Ah non, oui, je sais... Ah, moi, je suis derrière toi. Non. Voilà. En fait, tu passes par là et tu reviens à la grotte, tu vois. J'aimerais bien avoir un mineshaft, mais... On va être décidé à nous en donner, tu vois. Ah, un creeper. Ah ouais, ici, non, pas de j'ai eu deux creepers sur la trompe. Il y a plein de techniques que les gens n'aiment pas, mais pourtant qui sont assez malines, hein. Par exemple, moi, l'autre fois, j'ai killé un type avec un saut de lave. Il a totalement ragé. Alors que c'est bien joué, quoi, je veux dire, c'est chaud, faut que t'arrives à le mettre dans une certaine position. Et il était tombé dans un trou et j'avais posé un saut de lave. Okay. Ouais, c'est chaud à faire en pratique, sauf que les gens ragent. Bah, c'est. Ouais, non, c'est une technique commune, enfin, maintenant, on fait clair que c'est comme tout à l'heure, j'ai filé des coups d'arc alors que j'étais proche, il a ragé, quoi, tu vois, c'est. Je vois pas en quoi c'est salaud, et puis après, tu prends tout dans la gueule comme si c'était de ta faute, c'est bon, c'est qu'une technique. Voilà, chacun sa technique, tu sais, t'en as qui jouent la potion, d'autres sauts de lave, voilà quoi, c'est... Bah, pourtant, et généralement, les gens qui te font ça, la dernière fois, le type, il m'a sorti, j'aime pas les gens qui jouent comme ça, donc plus tard, ils jouent comme ça, enfin... en plus, genre, type, il me sort ramasse-miettes et spawn kill, qu'est-ce qu'il me fait, 30 secondes plus tard, ramasse-miettes, non, bah non... Bah, ramasse-miettes, bah ouais, bah c'est, chacun, enfin... C'est débile le mot ramasse-miettes, rien qu'en soi. Si tu vois un ennemi, même s'il a pas beaucoup de PV, tu vas pas rester à côté, genre sans rien faire en attendant qu'il se heal. La bienséance voudrait, si tu es un gentleman, de justement les laisser penser les blessures de tes adversaires hein, avant de leur botter les fesses. Mais voilà quoi, de nos jours, ce genre de politesse c'est perdu. Hein. T'as tout le monde pour sa gueule et tout le monde tape sur tout le monde. Hein. Oui, sauf que là on est dans un jeu vidéo. Ah bah c'est pareil, hein, franchement, regarde, et j'en ai filmé quelques fois, hein, notamment des PVP swaps où il y avait une finale entre deux membres de la Wana. D'office, voilà, tout le monde se préparait correctement, et puis on faisait une baston finale, quoi, tu vois. Et c'était quand même vachement, vachement mieux que d'avoir quelqu'un à moitié pété et à qui on met juste le coup. C'est quoi en dire, mais c'est comme ça.
Ah non, bah oui, en plein milieu de la bataille, bah, c'est clair qu'on tape sur, sur le premier. Tout le monde. Non, mais je parle pas genre de la stupe de personne, surtout qu'en plus, on est, quand t'as l'oral, c'est ça. Mais tu fais généralement pas attention à ce que la personne vienne te tuer. Enfin, à regarder bien ou à carrément demander les bébés de la personne, voir si tu peux la tuer ou pas. Non, mais personne ne ferait ça, quoi. Bah, c'est vrai que c'est vrai qu'attendre gentiment que Dieu se tape dessus et puis de venir achever le. Bah, voilà, c'est une technique de pute, mais. C'est une ça technique fonctionne. De pute, quoi. Voilà, ça, on l'a tous déjà fait. Hein. Et puis généralement, ou encore le spawn kill, putain, le type il arrive, il te frappe, il commence à te frapper, tu sais, et puis après tu te dis, ouais, mais spawn kill, va te faire foutre. Non, le spawn kill c'est quand tu tues quelqu'un dans son spawn. Maintenant, si cette même personne a commencé le combat, clairement ce n'est plus du spawn kill, hein. Mais c'est, ou encore quand, comme tu dis, ou encore quand un no-stuff vient te frapper, t'as pas le droit qu'il y ait no-stuff, mais s'il te frappe, bah tu te défends comme tu m'as fait tout à l'heure. Tout à fait. Bon, on était entre nous, c'était fun, quoi, donc. Hein. Ouais, c'était fun, moins prise de tête. Du coup, qu'est-ce que tu as déjà fait, toi? J'ai un stack de diamants, 2 stacks de lapis, un stack de fer, 4 d'or. J'ai le reste de mon or, je l'ai déposé dans les coffres. Je vais faire fond. J'ai déposé dans les coffres, question que ça puisse fondre. Déposé dans quel coffre? Déposé dans le coffre de la mine. Hein. C'est de là où j'étais tout à l'heure, je remonte par là, et c'est un cul-de-sac, je me suis trompé. C'est l'endroit, c'est là. Salut le chien. On fait ça comme ça, là. 1, 2, 3, 4. Voilà, je fais fondre les trucs. 8. Le chien dans le champ dans la vidéo, c'est pas une très bonne idée. Alors moi je vais faire ceci. Ceci. 1, 2, 3. Après maintenant les gens t'as l'impression qu'ils jouent leur vie dès qu'ils se tapent. Oui. Ils ont oublié que c'était un jeu. C'est triste même. C'est. Et dire dès que tu perds, tu te dis GG, tu changes de game, tu vas pas rager jusqu'à. Ouais, mais c'est comme tu dis, c'est les gens jouent leur vie. C'est dommage parce que. Comme, du coup, comme s'ils allaient mourir, quoi. Ouais. Donc, en fait, j'ai. Ça, c'est qu'un jeu, mais ça c'est à cause des. Ça, c'est à cause des youtubeurs qui font de la compète. Du coup, les gens les regardent et se disent, ah ouais, mais il faut réagir comme eux dès qu'on crève. Mais non, c'est pas comme ça qu'on. C'est pas comme ça qu'on est censé réagir. Bon bah du coup comme c'est ma pioche, je garde quand même la fortune de côté. Oui, ah bah oui, écoute, celle-là... C'est la mienne quoi. Mais si vous faites une session minage, ne vous gênez pas pour la prendre. Hein. T'inquiète. On ne gênera pas. Bah du ici, coup, honnêtement, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on a récup, à mon avis, on est tranquille pour quelques temps avec le minage. Hein. Voilà, ça c'est bien. T'as tout mis à part le diams, toi. Ouais, le diams c'est la pièce parce qu'on va les mettre dans les coffres en fait. Tu peux directement le mettre. Le reste on va faire fondre. Donc ouais, je voulais monter le mettre dans les coffres. Et on fera quoi de tout ce diams? On peut faire des outils, mais là on a assez d'outils pour trois personnes pendant quelques mois. Ouais, mais j'ai moi mes outils en diams en fait c'est des outils que je pique donc. Ta pioche fortune, elle est une brique combien? Unbreaking 3 et FI 4. Ah, nickel. Nickel, nickel. Donc voilà, dans les items, on a un stack et 35 de diamants. Ça, mais ça, je vais faire des blocs ça, hein, de diams. Ça. On est d'accord, je fais des blocs de diams, c'est moi. Au-dessus d'un stack, oui. J'ai 11 blocs de diams et on en a pas plus. Voilà. Ils sont dans le coffre à blocs, c'est comme ça, c'est prenait. Les escaliers, on avait tout fait, ouais. On a 35 blocs de lapis. Yeah. Attends, ça fait la blinde ça. Ça on va remonter.
Ça, s'il faut, on va les faire. On va remonter et on va arrêter l'épisode ou on fait le topo? Bah, le topo, il est fait, hein. On a eu du jams. Enfin, bon, Et du fer, c'était tout ce qu'il nous je fallait. vais remonter dans les coffres. Tu vois, Et puis on c'est fera. mieux d'avoir deux, parce que tu vois, regarde, quand je ralentis, quand je touche le... Ah, du coup, on remonte de lui. J'y vais pas, mais faire manger. Et j'ai mon épée qui est presque pétée. Et honnêtement, les serres, elles sont belles là-bas, au-dessus comme ça. Il faudra penser à mettre un petit peu de déco avec des arbres et tout. On verra ça plus tard, en fait, Oui. parce que là, on a toute une place inoccupée où il y aura deux maisons. Et bien, le problème, c'est qu'on arrive bientôt à la fin de tous les bâtiments utilitaires et qu'on n'a pas beaucoup d'habitants. Bah, moi, il me reste plus Ouais. qu'à faire la déco intérieure et puis tout ce que j'ai. Et puis, c'est presque si on n'a pas terminé la série, quoi, tu fais ta maison et puis voilà. On va pas terminer la série comme ça, à deux. Du coup, je vais ranger hors truc. Et On puis va retourner devant pour dire au revoir. je vais proposer à Clem de quand même faire une maison. Parce que même s'il veut pas, bah on fait une ville, quoi. Bah ouais, mais c'est ça, c'est Bah, le but, on s'en fout. faudrait On mieux que vit ce pas soit toi dedans qui de le toute fasse, je façon, donc. pense. Parce que lui, ce qu'il avait dit, c'est que bon, comme il se baladait, qu'il faisait du PVP, qu'il était pas là forcément pour construire, bah, qu'il n'en ferait pas. Vas-y, descends, descends. Tu veux m'avoir, descends. Aïe! Viens, gamin, viens, gamin. Aïe, mais chaque coup, il touche. Et on va finir l'épisode avant de se faire massacrer. Ah, il tombe bien qu'elle avait un deuxième en fait. J'ai tout le monde qui était sur le toit. Ah, mais c'est ça, ouais, il me semble bien que je me J'ai faisais pas voulu attaquer éclairer mon toit parce que sinon c'était de moche. par derrière. Dans ta Bah, maison, faudrait surtout. qu'on fasse un design de lampadaire. Oui, c'est vrai ça. Et on va dire au revoir du coup. Devant la mine. Divo la mine. Et... Bah. Tape un time day peut-être. Histoire d'être tranquille. Acheter. Et donc c'était The Lord Samurai avec une flèche dans l'épaule en compagnie de Yuni pour un épisode bonus sur le minage. Et on vous dit salut salut! À plus!